Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été suggérée par un de vous. Donc on va voir aujourd'hui comment essayer d'optimiser un maximum SW Tor. On ne va pas parler aujourd'hui d'options à désactiver directement sur Windows, car il y a plein de vidéos dessus sur YouTube. Sachez que les notifications Cortana et le mode jeu de Windows 10 bouffent vachement de performance. Alors il faut savoir que j'ai plutôt un PC correct, donc un i5-7500 3,4 GHz et une carte graphique GTX 1050. En général, je n'ai pas de problème de FPS sur SWTOR, sauf dans les zones de guerre comme Alderaan, quand il y a de grandes batailles au centre de la map avec plein d'AOE au sol. La première chose que l'on va effectuer, c'est d'appuyer simultanément sur CTRL SHIFT plus F pour afficher les FPS en bas à gauche de l'écran. Maintenant, je vais faire une expérience témoin. Je vais me promener sur une planète, donc en l'occurrence Titon, et en zone de guerre en graphisme très bas, et ensuite en ultra pour voir la différence un petit peu de FPS. Donc je me suis mis en graphisme ultra en plein écran, et on voit sur Titon que je fais environ du 60 FPS constant. Les graphismes sont beaux et c'est plutôt fluide comme vous pouvez le voir. Quand je suis en combat, je perds quelques FPS, du genre je suis à 57, mais c'est pas vraiment gênant. Maintenant on va voir ce que ça donne avec des graphismes très faibles dans les mêmes conditions. Alors vous pouvez voir que les graphismes sont dégueulasses, mais par contre on a bien plus de FPS, on tourne autour des 150 avec des pointes à 180. Donc on peut clairement en déduire que si vous avez un mauvais PC, mettre les graphismes en très faible devrait vous aider à avoir plus de FPS lorsque vous êtes sur une planète, donc par exemple pour faire votre histoire de classe. Cependant, le truc pour lequel beaucoup de gens se plaignent, c'est au niveau des FPS en PVP. Donc on va faire 3 zones de guerre avec différents paramètres pour voir lesquels permettent d'être le plus fluide possible. Ce qu'on va tester principalement, c'est l'influence de la synchronisation verticale, du plein écran, des graphismes et des ombres sur les FPS. On va commencer sur la zone de guerre Vandine avec des graphismes en très faible, en plein écran et sans la synchronisation verticale. Il faut savoir que Vandine c'est un BG qui est réputé pour faire bugger et laguer les PC, donc on va voir ce qu'il en est. Donc on commence, pour l'instant pas de chute importante de FPS, mais dès qu'on arrive au premier teamfight, alors là c'est le drame, comme vous pouvez le voir, c'est pas très fluide et il y a des chutes de FPS. Par exemple ici on a 24 FPS, ce qui est tout de même vraiment mauvais pour des graphismes en très faible. Donc là on a deux inconvénients, les graphismes sont nuls et en plus les performances le sont également. Testons donc avec des graphismes en ultra dans les mêmes conditions pour voir ce qu'il en est. Voilà, on se retrouve en ultra et quand je me bats contre le mec en face, eh bien ça va. C'est assez fluide même si on dépasse pas les 40 FPS. Il y a moins d'action à l'écran que tout à l'heure quand j'étais en très faible, je le reconnais. Mais niveau performance, j'ai l'impression que c'est plus fluide alors qu'il y a de meilleurs graphismes. Donc en gros, avec ces deux petits tests, on se rend compte que la logique appliquée tout à l'heure sur Titon, c'est-à-dire plus tes graphismes sont bas, meilleurs tes FPS seront, n'est pas applicable en zone de guerre. Comme SW Tor est mal optimisé, même avec des graphismes en très bas, les performances ne vont pas être meilleures en zone de guerre. Sachez que pour la vidéo, j'ai quitté Discord, Google, et j'ai enlevé l'enregistrement en arrière-plan de Nvidia. Après cela, j'ai décidé de tester les performances avec les graphismes simplement en élevé. Je n'ai rien noté de particulier, les FPS étaient à peu près les mêmes que ceux que j'avais en ultra, même si les graphismes étaient moins beaux. J'ai presque même observé une chute de FPS, je ne sais pas si c'est dû au fait que je changeais toutes les 2 minutes de graphisme, et que mon PC avait du mal à s'adapter, ou si c'était à cause des graphismes qui faisaient vraiment laguer. Mais je pencherais plutôt pour la première option. J'ai ensuite décidé de baisser la qualité des ombres pour voir si cela influait sur les FPS. Et j'ai noté des baisses de FPS. Encore une fois, je pense que SW Tor n'apprécie pas que l'on change constamment la qualité des graphismes. Mais je pense que les ombres ne sont pas un facteur qui fait vraiment laguer. En gros, vous pouvez les laisser si vous avez un PC correct. Faites le test également chez vous. Mais moi j'ai l'impression qu'avec ou sans ombre, j'ai les mêmes performances, voire même mieux avec que sans. Quand j'ai mis les graphismes en médium, c'est là que j'ai ressenti la meilleure fluidité, même si niveau FPS en teamfight, on est toujours aux alentours de 30. Après, les FPS reflètent le nombre d'images par seconde, et pas vraiment la fluidité du jeu, même si ces paramètres sont liés.
Donc j'imagine qu'il est possible de constater un nombre de FPS faible et pourtant d'avoir une bonne fluidité. Ça se trouve, c'est ce qui se passe quand le jeu est en médium. Nouveau BG, on est encore tombé sur un hotball, mais cette fois-ci sur le classique. Alors j'ai testé les graphismes très élevés et j'ai rien remarqué de phénoménal, simplement des FPS entre 25 et 35 en combat, ce qui est pas vraiment fluide. Cependant, j'ai activé la synchronisation verticale et j'ai remarqué un boost des FPS et de la fluidité. En général, sur les jeux, il faut désactiver cette synchro verticale, car elle limite vos FPS à 60. Mais sur SWTOR, étant donné qu'en PVP on dépasse pas les 50 FPS, ça peut améliorer la fluidité. En tout cas, c'est ce que j'ai observé sur les clips que j'ai filmés. Ensuite, j'ai désactivé la synchronisation verticale, puis j'ai mis mes graphismes en faible. Et mes FPS étaient vraiment pas mal. Mis à part le fait que je me faisais défoncer, vous voyez que plusieurs ennemis sont autour de moi et que pourtant j'ai pas mal de FPS. Dernier BG, j'ai mis en plein écran fenêtré et j'ai eu l'impression de perdre pas mal de fluidité. Donc je vous conseille de mettre en plein écran classique, même si c'est relou pour les retours Windows. Après, j'ai retesté le mode ultra low et même constat qu'avant. De mettre les graphismes au plus bas possible n'est pas booster de FPS pour moi. Pour finir, j'ai mis les graphismes en ultra et j'ai observé de meilleurs FPS, ce qui n'est pas du tout logique. J'étais toujours au-dessus de 40 FPS pendant ce combat, ce qui est un exploit dans le PVP SWTOR. Pour conclure, donc déjà je dirais que les graphismes ne vont pas tant changer que ça vos FPS en BG, mis à part les ombres pour certaines personnes, mais moi personnellement ça ne changeait pas grand-chose. Ensuite, deuxième point, SWTOR est mal optimisé, donc avoir un PVP qui lag, bon, j'ai envie de dire que c'est presque normal, et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Troisième point, pour conclure, le mode plein écran et non le mode plein écran fenêtré, c'est important. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est plus fluide. Quatrième point, la synchronisation verticale peut légèrement augmenter vos FPS, même si parfois, j'imagine qu'il faut la désactiver. En tout cas, ça dépend, mais moi j'ai vu que quand j'étais en élevé avec la synchro verticale, c'était vraiment pas mal. Et ensuite, dernier point, je dirais de ne pas changer vos graphismes toutes les 30 secondes. Ça va juste plus bugger que d'habitude, et le PC n'aura pas le temps de s'adapter. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée et que vous aurez appris des choses. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.